I'd like to introduce May Talmassani today. May is an Egyptian-Canadian novelist, activist, translator, and film critic. She's associate professor of cinema and Arabic studies at the University of Ottawa, and she is also taking on the position of the interim director of the Literary Studies Department. May is the winner of, among other things, the Ulysses Prize for Best First Novel in France for her work entitled Dune Zed, and of the State Prize in Cairo of the same year. One prominent overlap that my work as a political scientist has with May's as a literary critic is, of course, Edward Said. It's almost impossible to study Middle Eastern studies, let alone history or political science, without knowing who Edward Said is. And for those of you who don't, he is the father, if one would consider Frantz Fanon the godfather, of post-colonial studies. I was fortunate to have picked up a book before I arrived in Montreal that May had edited on Said's contribution, so I thought it would be only apt for me to read just a brief section as a way of introduction. May writes, "Said's position in regards to the relationship between the critic and the world is unambiguous. Critics are bound filiatively or affiliatively. Both patterns of filiation and affiliation can easily metamorphose into systems of domination and power and should be rejected by the critical consciousness. Said examines both patterns of Eurocentric criticism and condemns them for their tendency that, quote, reinforces the known at the expense of the knowable. Secular criticism instead, he argues, should be nomadic. There are many possible lines of connection between the exilic condition endorsed and analyzed by Said and his theoretical elaboration of nomadic criticism. In beginning, Said borrows from George Steiner the image of the literary critic as a wanderer, going from place to place for his material, but remaining a man, essentially, between two homes. Said uses this image to argue that today's literary critics, like many of us here, I'm sure, find it very difficult to remain in a single tradition, a single canon, without some kind of engagement with the writer's own place. Said learns from Foucault that history and tradition are not necessarily communicated in a sequential narrative passed from an individual source through a chain of narrators faithful to an original story. And with that, I'd like to invite May to teach us a thing or two in her presentation of nomadism beyond globalization and cosmopolitanism. Thank you. Thank you, Matthew, for this introduction. Thank you all for being here. Thank you, the Trudeau Foundation, for inviting me in the first place. I'm very, very honored and very happy to be here sharing with you some of my new reflections, I should say, on nomadism. I wouldn't have been interested in nomadism before coming to Canada. I've learned a lot since I graduated with a PhD from the Université de Montréal in 2005. And I can fairly say there is a before and an after Université de Montréal, le département de littérature comparée et cinéma. This is where I had my PhD on cinema and nationalism, and I was critical to nationalism, and today you will see a lot of this again. But my presentation will be in English, in French, and then question and answer period, of course, in both languages. Le droit à la citoyenneté nomade au-delà du mondialisme et du cosmopolitisme. C'est ça le titre qui m'est venu à l'esprit quand j'étais invitée par la Fondation Trudeau pour parler de la citoyenneté responsable. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit est qu'en est-il de la citoyenneté irresponsable? On devrait en parler également.
Mais j'aimerais tout d'abord dire que, en plus de Edward Said, j'ai quand même des références très importantes dans mon travail de recherche et qui ont eu une influence immense sur mon écriture romanesque et aussi sur ma façon de visionner, voir le monde. Il y a Edward Said, évidemment, mais il y a aussi Judith Butler qui, dernièrement, dans une manifestation avec Occupy Movement, avait fait une déclaration qui m'a beaucoup inspirée. Et elle dit en outre, « If hope is an impossible demand, then we demand the impossible. » And this is exactly what I feel. C'est exactement ce que je ressens quand je parle de laïcité en Égypte, mais quand je parle aussi de nomadisme au Canada. Une deuxième source d'inspiration pour moi, c'est le grand philosophe français Gilles Deleuze. C'est l'incontournable pour moi. Vous allez voir que la plupart de mes analyses proviennent plus ou moins de la philosophie deleuzienne. Michel Foucault avait décrété que le siècle, le XXe siècle, est un siècle deleuzien. Donc, en termes de philosophie, Deleuze est incontournable. Évidemment, avec son travail, le travail qu'il fait aussi avec Félix Guattari. Tout ceci sera mis sous un questionnement de la position éthique de l'intellectuel. Donc l'éthique comme une philosophie pratique, mais aussi comme philosophie normative, serait au cœur de ma présentation. Troisièmement, un mélange, vous allez voir, entre l'anecdotique et la réflexion plus ou moins philosophique, c'est-à-dire que je vais parler de moi-même, si vous le permettez, parce que, bon, en tant que romancière, je me positionne aussi par rapport à la subjectivité, à la gentilité, etc. Donc, je vais vous raconter un petit peu une petite part de ma vie. Je suis née donc dans un lieu qu'autrefois on nommait l'oasis d'Héliopolis. Comme les peuples nomades, j'ai toujours promené une parcelle de cette oasis dans l'errance et j'en ai laissé une parcelle à chaque départ. Or, l'oasis d'autrefois n'a jamais réellement existé. Il s'agit plutôt d'un milieu urbain sophistiqué, habité par des classes riches et occidentalisées d'Égypte et qui, suite aux politiques de nationalisation des années 1960, commence petit à petit à disparaître. On l'appelait l'oasis d'Héliopolis par métonymie, les premiers entrepreneurs du quartier jugeant nécessaire d'embellir la ville aux yeux des futurs acheteurs à qui on offrait l'Occident en plein désert. Une ville oasis à quelques kilomètres du centre du Caire qui m'a vu naître et vers lequel je retourne chaque année pour respirer l'air cosmopolite d'antan. Je suis donc née dans ce quartier hybride aux façades orientales, comme vous voyez très bien dans cette belle photo, dans un pseudo-désert peuplé d'Européens et d'Égyptiens polyglottes. Je fais partie d'une toute petite minorité de francophones d'Égypte. Dans une famille musulmane libérale, dont le père était cinéaste, francophone et de gauche, comme tout intellectuel égyptien et par naissance de gauche, et la mère professeure de langue arabe. Donc mon père, qui a étudié à la Sorbonne, avait ramené avec lui de grosses malles de livres, et j'ai hérité de ces livres, qui sont encore là dans ma maison égyptienne, dans ma maison Kerot. Je suis la seule francophone de la famille, dans une famille qui est en principe anglophone et arabophone. Donc encore une fois, même au sein de la famille, je fais partie de cette minorité-là. J'ai quitté l'Égypte pour la première fois à l'âge de 24 ans pour passer 6 semaines à Paris. Depuis, je n'ai jamais réussi à me sédentariser. Ce voyage parisien coïncide à la fois avec mes premiers balbutiements en création romanesque et avec mes débuts en recherche académique. Aujourd'hui, j'accumule 20 ans de carrière en littérature, en tant que romancière, 25 ans de carrière en enseignement universitaire, seulement quelques années reconnues par l'université canadienne. Ça a un impact énorme sur le salaire, vous savez. Donc, toutes mes années d'enseignement en Égypte ne comptaient pas. Et quelques années d'activisme politique couronnées par ma participation active à la révolution égyptienne depuis janvier 2011. Nomade de la pensée, je suis consciente de mes origines et ne cesse d'élargir mes territoires d'action. Ma condition nomade est le site de mon engagement politique et humaniste. Nomade, mais localisée,
attaché à plusieurs places dans le monde simultanément. Je me perçois comme ce nomade du sculpteur catalan Jaume Plensa. Cette figure accroupie, haute de 8 mètres et faite d'acier peint, fait face au large sur le bastion Saint-Jaume à Antibes. Plensa, un grand sculpteur reconnu mondialement, explique son œuvre dans ces mots. Telles les briques, les lettres ont une potentialité de construction, elles nous permettent de construire une pensée. Le nomadisme est donc pour moi un déclencheur intellectuel et une affaire de perception. La vue tournée vers le large, vers l'horizon. Donc il ne s'agit pas du nomade des sciences sociales et politiques, il s'agit vraiment pour moi d'une métaphore qui explique une pensée. Cette pensée créatrice philosophique s'articule comme ces lettres blanches à travers l'écriture et s'exprime au niveau de la réalité politique par le biais d'une action à la fois créative et humaniste. Mon éthique nomade donc se traduit par un hédonisme politique et pratique, si telle chose peut exister, à l'horizon duquel se réalise le bonheur pour toute l'humanité. Cet hédonisme, qui s'exprime par une culture de l'âme, une quête de connaissances et une pratique des arts, se double d'un désir profond de transformation et s'appuie sur une politique de l'espoir qui lutte constamment contre les politiques du désespoir et de la destruction adoptées partout dans le monde. Le désespoir n'est pas l'apanage d'une culture ou d'une nation. Le désespoir est un peu partout dans le monde. Et ce que je me propose de faire, c'est de changer ce désespoir-là en espoir. Once again, like Judith Butler said, we demand the impossible. We want hope. Ma méthode consiste à combattre les passions tristes, pour reprendre l'expression éthique de Spinoza, que ces passions soient nationalistes, religieuses ou totalitaires. La vision que je défends aujourd'hui est donc l'expression d'une double attitude envers le monde, celle d'une romancière qui œuvre, qui revendique son droit des arts, celle d'une romancière qui revendique son droit à la subjectivité créative et celle d'une universitaire qui œuvre dans le domaine des arts et des sciences humaines et qui constate l'urgence d'un retour au droit éthique naturel, faute de droits politiques, juridiques efficaces, justes et égalitaires. Ceci dit, je ne suis pas politicienne et je ne suis pas non plus membre d'aucun parti politique ni en Égypte ni ici au Canada. Et c'est ma position. Ma présentation propose donc une réflexion sur l'idée de la citoyenneté nomade comme un exercice intellectuel et un programme éthique et politique dicté par la complexité de notre condition postmoderne et par une soif de justice étendue à l'échelle du monde. Une première remarque s'impose déjà pour préparer le terrain. Lorsque j'évoque le droit à la citoyenneté nomade, je le fais tout en reconnaissant l'impossibilité actuelle et future de transformer ce droit moral et éthique en un droit juridique. Nous sommes donc loin, très loin, d'une revendication politique idéaliste qui viserait nos droits et obligations constitutionnelles au Canada, par exemple. Nous demeurons, pour autant, dans le domaine de la pensée politique efficace. Liane Moser, en parlant de la philosophie politique de Gilles Deleuze, écrit ceci. Ce politique n'est pas réductible aux arènes classiques que forment les institutions, il est micropolitique. Il consiste, comme le rappelaient souvent Gilles Deleuze et Félix Guattari, non à interpréter, mais à intervenir. Le politique, en tant que pensée transformatrice, doit donc intervenir dans la politique comme arène d'action exclusive aux experts et aux politiciens. Je ne fais pas partie de ce groupe. Je ne suis ni expert ni politicienne. En proposant une nouvelle pensée, de nouvelles formes d'intervention et de participation politique, ceci n'est pas sans difficulté parce que politiciens et experts s'attendent à des données quantifiables, alors que je prône le non quantifiable. Et on privilégie aussi les données qui sont contrôlables, alors que je trouve qu'il y a plusieurs formes de résistance, même à ceci, la reconnaissance du non contrôlable. Ce n'est pas le chaos, mais c'est notre condition postmoderne à laquelle je fais référence ici,
pour ne pas aller du côté du nihilisme total, comme Baudrillard disait, la masse silencieuse ne veut pas être représentée. Et il y a une critique de la démocratie représentative qu'on a entendue time and again this morning, and I guess once again later this evening. We have to do something about this. We have to change, and there is transformation on the way, coming maybe from other parts of the world, unexpected parts of the world, and I can see it happen in Egypt already. Donc ma première remarque, c'est en rapport avec la loi. Est-ce que je veux qu'on devienne tous des citoyens nomades? Non. ce n'est pas un droit juridique que je réclame ici. Et ma deuxième remarque, ce sera le constat selon lequel les frontières nationales sont perçues comme une nécessité historique. Et ceci ne me dérange pas, puisque les frontières protègent l'ensemble des citoyens contre le chaos. Que ce chaos soit occasionné par l'immigration illégale, le terrorisme mondial, le trafic de drogue et d'humains, ou qu'il soit généralisé par des politiques économiques néolibérales et des pouvoirs corporatifs supranationaux, il y a toujours nécessité de combattre ce chaos en imposant des limites, des lois, des structures de protection. Les frontières défendues par les instances étatiques et protégées par les lois internationales demeurent pour l'instant une réalité incontournable, mais là n'est pas la question. La question est celle de lutter de façon radicale et systémique contre la tendance déshumanisante de vouloir à tout prix conserver des organes de pouvoir en instrumentalisant les frontières nationales. S'ajoutent à celles-ci les barrières culturelles, les contraintes imposées à la pensée et les modèles traditionnels de gouvernance qui ne peuvent plus représenter dans toute sa complexité les rapports politiques et micropolitiques contemporains. Une réponse à cette complexité accrue des relations humaines et politiques au-delà des frontières est désormais nécessaire. Il va sans dire que la tendance discrétionnaire, qu'elle soit étatique, intergouvernementale ou corporative, se définit en termes de rapports de force et de relations de pouvoir. L'on convient du même coup que les frontières qui séparent les nations tendent à s'estomper, c'est-à-dire à devenir par un coup de baguette magique étanche et perméable à la fois, lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts nationaux aux dépens des droits naturels de justice et de liberté pour tous, pour toute l'humanité, ou lorsqu'il s'agit d'ingérence politique, d'expansion économique et d'extension impériale. Une force majeure est en train d'émerger dans le monde entier. On veut combattre cette force, on a parlé de la Chine un peu plus tôt dans la matinée, on veut combattre cette force économique qui risque d'être dévastatrice, mais on n'est pas en train de combattre un pouvoir, on est en train de combattre un pouvoir pour en instaurer un autre. Reprendre le pouvoir que l'Occident avait détenu pendant au moins deux siècles, y compris des siècles d'impérialisme. Et c'est ça qui me dérange, c'est le fait qu'on n'est pas en train de critiquer le pouvoir suffisamment. Le modèle du nouvel ordre mondial économique, politique et militaire promulgué par les gouvernements américains successifs depuis la fin de la guerre froide est la preuve tangible de cette double mesure, nous et les autres, us and them, or the West and the rest. Ce sont des dichotomies scandaleuses, à mon avis, qui persistent malheureusement dans la réalité sociale et dans le discours sur la société humaine, et qui furent instrumentalisés aussi bien dans les guerres américaines successives au Moyen-Orient que dans les rapports dominants-dominés au sein des sociétés post-séculaires. Les balises de ce rapport de force et de domination entre les grandes nations et les petites nations, entre les États et les individus, entre les dispositifs de pouvoir et les citoyens nomades, sont de plus en plus explicites à l'ère transnationale, marquées cependant par de multiples formes de résistance, diverses traversées de frontières physiques et imaginaires, et l'insatisfaction générale vis-à-vis des politiques hégémoniques à l'échelle mondiale. Dans ce contexte d'incertitude et d'insatisfaction, je me propose de répondre à trois questions fondamentales afin d'essayer d'éclaircir cette réflexion que j'ai commencée il y a seulement quelques semaines, sur la citoyenneté nomade. Tout d'abord, comment peut-on définir le citoyen nomade? Quels sont ses traits caractéristiques, ses objectifs, ses plans d'action, son territoire?
Deuxièmement, le nomadisme est-il un phénomène social, une philosophie politique ou une métaphore de l'ère postmoderne? Une perspective qui explore les potentiels de ce concept dans le champ des sciences humaines ou dans le champ des arts et de l'écriture est-elle productive, efficace et comment? Et finalement, est-ce qu'une éthique de la condition nomade est nécessaire aujourd'hui? Encore une fois, la question de l'efficacité d'une pensée me semble un peu imposée sur la pensée, mais on est tous sollicités à le faire de toute manière. Où est-ce que ça va nous mener si l'on réfléchisse sur cette réalité nomade qui s'installe parmi nous et qu'on essaye de repousser un petit peu ou d'ignorer? Je tenterai d'esquisser donc quelques réponses à ces trois questions. Donc, il y a trois parties à ma présentation. La première est la plus longue, pour essayer de cerner un petit peu la définition de ce citoyen nomade dont j'aimerais vous entretenir. Le travail de conceptualisation de la citoyenneté nomade se situe à l'intersection, pour ne pas dire aux antipodes, d'au moins trois doctrines ou idéologies contemporaines. Le nationalisme, le néo-cosmopolitisme et le mondialisme. Le nationalisme élabore une définition de la citoyenneté civique qui demeure, à mon avis, opérationnelle, en dépit des critiques et malgré les échecs successifs des nationalismes fermés. Le mondialisme, dans son versant culturel, propose une définition idéaliste du citoyen du monde, qui n'aimerait pas être ce beau citoyen privilégié, moyennant des technologies de communication et l'essor sans précédent des moyens de transport. Alors qu'une nouvelle articulation de l'idéal cosmopolite des Lumières se développe autour de la notion de transnationalisme et de la distance parcourue régulièrement par un nombre de citoyens privilégiés à travers la planète. Un des experts de ce nouveau cosmopolitisme est l'Allemand Ulrich Beck, mais aussi Stephen Vertovec, qui, de temps en temps, quand la mode c'est le multiculturalisme, il y a des livres sur le multiculturalisme, quand la mode c'est la diversité culturelle, il y a des livres sur la diversité culturelle qui sortent, et quand c'est la mode au transnationalisme, il y a des livres qui sortent sur le transnationalisme, et ainsi de suite. Donc c'est des compilations d'informations sur des concepts possibles émis par des experts pour servir au gouvernement, pour justifier un certain nombre d'actions et de décisions prises par ces gouvernements. Et c'est là que je trouve que l'expertise d'un point de vue éthique est problématique. Ceci dit, le citoyen nomade est avant tout citoyen, dans le sens politique et juridique du terme, c'est-à-dire une personne civique, jouissant des droits de la cité et ayant des devoirs envers l'État. Cette personne participe tant bien que mal au projet de société et sa nationalité détermine à la fois son rattachement territorial et juridique à un État et son appartenance socioculturelle à une communauté de valeurs. Par contre, il ne s'agit pas d'examiner ici les droits et obligations du nomade au sens de la loi, puisque celui-ci, lorsqu'il ne bénéficie pas de domicile fixe, le vrai nomade qui ne bénéficie pas de domicile fixe, n'est souvent pas considéré comme un citoyen. Il est d'autant plus privé de ses droits civiques. Donc ce n'est encore une fois pas de ce citoyen que je parle. Dans le sens philosophique et créatif du terme, le citoyen nomade est d'abord une personne qui cherche un moyen de soustraire la pensée au modèle d'État. Et cette phrase, elle vient directement de Deleuze et Guattari dans leur traité de nomadologie, dans Mille plateaux. Et deuxièmement, c'est une personne ou un groupe de personnes qui, tout en contestant le pouvoir absolu de la majorité et le monolithisme de la démocratie représentative, continue de lutter à partir d'une position mineure, c'est-à-dire révolutionnaire. Gilles Deleuze et Félix Guattari, encore une fois, parlent très souvent dans leur œuvre, Gilles Deleuze un peu plus, du devenir mineur, du devenir révolutionnaire, du devenir femme de l'être humain. Si on considère que homme, c'est la majorité, donc devenir femme, c'est en fait devenir mineur dans ce sens. Et troisièmement, une personne qui met sa pensée et son action politique au service d'une communauté globale, qui dépasse les frontières de la nationalité et de l'appartenance ethnique, religieuse ou politique, et qui rejoint l'humain dans toute sa splendeur immanente, productive et combative. La définition que je propose en m'inspirant de Deleuze et Guattari se distingue à la fois des définitions historiques du nomade et du concept stoïcien du citoyen du monde.
Ulrich Beck, un éminent théoricien du néo-cosmopolitisme européen, défend le concept de citoyen du monde contre le stéréotype du patchwork. Ce stéréotype remplace la logique exclusiviste du soit ceci, soit cela, par une logique inclusive, à la fois ceci et cela. Comme dans un menu de restaurant, on veut être tout ça à la fois. Cette logique du patchwork, qui est la logique du néo-cosmopolitisme, ne cache pas ou cache, mais mal, les enjeux de pouvoir, mais aussi les contradictions et les expressions de xénophobie réelle. Pour Beck, le cosmopolitisme reste un instrument efficace contre le chauvinisme nationaliste, je suis d'accord avec lui sur ce point, le patriotisme unilatéral et la prison identitaire territoriale qui fait fi des différences culturelles. Les principes de ce qu'il appelle le cosmopolitan outlook ou la vision cosmopolite sont les suivants. La conscience d'un destin commun face aux crises, la reconnaissance de la différence cosmopolite, l'empathie cosmopolite qui se manifeste par des mouvements de solidarité mondiale permettant donc une globalisation des émotions. Et on l'a très bien vu à travers le monde entier, le monde occidental comme ailleurs en Inde et en Asie, des mouvements de solidarité énormes avec le Arab Spring, tout ce qui est printemps arabe en Tunisie ou en Égypte et ailleurs. L'impossibilité de nier ou détruire les frontières nationales et dernier élément que je trouve très important, l'interconnexion et le mélange de provincialisme et de cosmopolitisme. C'est là que je I depart from Ulrich Beck. C'est le fait qu'on a besoin de ce mélange-là pour que le monde devienne le monde cosmopolite rêvé ou idéal à partir de son point de vue. Ici, je me distancie un petit peu de la pensée de Beck. Le citoyen nomade reprend certains principes énoncés ici et les dépasse. La philosophie éthique définit le champ d'action de ce citoyen nomade fait non pas d'empathie ou de compassion, mais d'action politique directe, mue par un sens aigu de la justice et un désir insatiable de liberté. Son champ d'action est la résistance culturelle qui se dresse contre les comportements totalitaires, furent-ils promus par l'État-nation ou par des organes de pouvoir multinationaux. Son territoire est le monde et sa conscience territoriale se développe à mesure qu'il se meut à travers les frontières, ici et là-bas à la fois, ici et ailleurs simultanément, littoral et horizon. Deleuze et Guattari déplorent le fait que depuis que la philosophie s'est assignée le rôle de fondement, elle n'a cessé de bénir les pouvoirs établis et de décalquer sa doctrine des facultés sur les organes de pouvoir d'État. C'est fâcheux, à leur avis et à mon avis également, se soustraire à cette pensée de l'État est essentiel aujourd'hui. Dans le domaine des sciences humaines et ailleurs, la pensée étatique se heurte à des contre-pensées qui refusent de se réduire à un modèle absolu ou à une méthode qui définit de façon essentielle le vrai, le juste, le droit. Ce sont ces penseurs privés, ces philosophes de la steppe que Deleuze et Guattari identifient comme un peuple ambulant de relayeurs, des philosophes, des artistes, des scientifiques, des penseurs de l'extériorité et de l'espace infini, dont on parle ici. Leur fonction sociale consiste à critiquer, démanteler, résister à toute forme d'abus de pouvoir à l'échelle humaine. Le sujet créateur et créatif, sujet en mouvement, sujet déterritorialisé qui relaie et relance, s'oppose ainsi au sujet consensuel de la structure dominante, étatique, institutionnelle, transcendante. Il s'agit d'une minorité efficace, indispensable à l'avancement de la pensée humaine. Ce choix radical est à la fois minoritaire et révolutionnaire. On ne peut pas devenir tous des citoyens nomades, mais la lucidité de la nécessité de l'existence de ce type de citoyen est aujourd'hui parmi mes priorités. Partout où je vais parler, c'est vraiment cette idée-là qui m'inspire. Mais sans utiliser le mot nomade, c'est en trouvant le mot nomade et le concept de nomadologie que je commence à développer cette pensée en fait. Ce choix radical est à la fois minoritaire et révolutionnaire. Il me semble indispensable afin d'équilibrer les rapports de force et de domination à l'échelle mondiale.
Est-ce que je me perçois comme une citoyenne nomade? C'est tout à fait, c'est une de mes identités multiples qui vient de s'ajouter depuis la révolution égyptienne en 2011. Avant, je me percevais comme une immigrante. Et ça, c'était beaucoup moins intéressant. Mais maintenant que je suis nomade, j'ai plus de liberté. J'ai opté pour ce choix vital il y a 3 ans, en luttant pour la laïcité et les droits civils en Égypte à la suite de la chute de Moubarak. Donc, un peu de narcissisme. Donc, Madaneya, c'est un concept qui réfère, en fait, en Égypte, à une constellation de la laïcité et du sécularisme avec un désir d'instaurer l'état de droit. Donc c'est un mot complexe qui n'évacue pas la religion, mais qui certainement sépare l'état de la religion selon la tradition laïque occidentale. Donc j'ai opté pour ce mot et j'ai créé un site internet qui, à partir du Canada, quelques jours après le début de la révolution en Égypte, j'ai écrit une pétition pour la laïcité, pour changer l'article 2 de la Constitution égyptienne qui stipule que la religion de l'État, c'est l'islam. Et je voulais changer cet article. J'ai fait signer 700-800 intellectuels égyptiens sur cette pétition, et j'ai envoyé cette pétition à tous les journaux égyptiens et arabes que je connaissais. Ça a été publié au même moment dans 10 journaux différents, la pétition et l'appel donc à la laïcité. Et du coup, ça a fait fureur parce que tout pendant cette période-là, les 18 jours de la révolution, était encore à un état très instable. Et les deux forces qui étaient sur place, c'était l'ancien régime et les frères musulmans. Donc personne ne voulait parler de laïcité. Ça faisait l'affaire de l'ancien régime de maintenir l'ennemi principal, les frères musulmans, sur place, et ça faisait l'affaire évidemment des frères musulmans de gagner encore plus d'espace sur la place publique et sur la place Tahrir. Donc ce que vous voyez là, c'est un peu sur le sac à dos, c'est le logo de cette initiative-là. Donc Moubarak est tombé en 2011, le 11 février 2011, et la pétition a été publiée dans les journaux égyptiens et arabes le 13 février, 2 jours après sa chute. Ma façon d'être révolutionnaire, comme vous pouvez le voir sur la photo, s'exprime à travers mes cheveux. Je me suis coupé les cheveux à cette époque-là. Et tout le monde sur la place Tahrir, ce sont différentes manifestations, me parlait en anglais. On ne pouvait pas croire que j'étais égyptienne. Et donc, à un moment donné, j'étais énervée et j'ai commencé à dire aux gens « Mais toi, tu n'as pas l'air égyptien, en fait. Tu as l'air algérien ou indien. » Donc, c'était un peu dans ce style-là que je me voyais contribuer, disons, à la révolution, mais pas seulement au Caire. Ici aussi, au Canada, je vous montre ici une image d'une manifestation le 30 juin 2013, pour faire tomber le régime démocratiquement élu des frères musulmans. Et heureusement que nous avons réussi à le faire. Et ce n'est pas un coup militaire, c'est vraiment les 30 millions d'Égyptiens qui sont sortis encore une fois sur la place Tahrir, qui ont réussi à faire tomber le deuxième régime, le deuxième président en très peu de temps. On est tellement fiers. On attend le troisième président. Si c'est un militaire, il y aura encore une fois des manifestations et on va le faire tomber. Parce que droit civil, laïcité, sécularisme, c'est un double nom. Un double nom aux frères musulmans et aux militaires. En février 2011, j'ai publié donc cette pétition sur la laïcité. Et à l'époque, des amis et des compagnons de route ont essayé de me dissuader. Certains pensaient que s'engager sur ce chemin épineux n'était pas une urgence. Ils répétaient que l'Égypte n'était pas prête à la démocratie, encore moins à la laïcité et au sécularisme civique. D'autres estimaient qu'il existait une incompatibilité fondamentale entre les revendications laïques considérées comme élitistes, moi qui viens de cette héliopolis francophone, minoritaire, etc., et les croyances sociales et religieuses conservatrices de la majorité égyptienne. J'étais donc
supplier de se ployer aux désirs et exigences de la majorité. Là est le danger qui guette toute pensée philosophique, toute production littéraire et créative, tout art en fait. La loi de la majorité, l'oppression de la majorité, les exigences de la majorité. En tant que citoyenne nomade minoritaire, je me dresse contre les forces totalitaires et fascistes en Égypte, qu'elles soient religieuses ou militaires, contre l'injustice flagrante qui frappe un peuple de 85 millions d'habitants en proie à la pauvreté, l'analphabétisme et l'obscurantisme religieux. Mais je me dresserai également contre ces mêmes forces au Canada lorsqu'elles portent atteinte à nos droits et libertés fondamentales. Le débat aux allures démocratiques qui envahit déjà l'espace public québécois avec toute une machine de justification discriminatoire contre les minorités religieuses et les communautés ethniques est un exemple concret du champ d'action des citoyens nomades pour l'égalité et la justice, quel que soit leur territoire, contre l'oppression de la majorité, quelle que soit sa nationalité. J'opte pour le même choix minoritaire dans le milieu universitaire au Canada. Et là, c'est mon deuxième exemple, si vous voulez, d'implication en suivant cette éthique nomade dont je parle. J'ai constaté depuis plusieurs années que la communauté arabe canadienne, qui est vieille de 130 ans, n'est pas sur la liste de nos priorités académiques. Elle demeure néanmoins primordiale dans le cadre d'une réflexion sur les diasporas nord-américaines, le développement des communautés culturelles au Canada, leur contribution à la force économique du pays, leurs engagements politiques dans les pays d'origine et leur influence politique dans le pays d'accueil. Le groupe de recherche en études arabes canadiennes, que j'ai fondé avec un nombre de collègues en Ontario, au Québec et ailleurs au Canada, œuvre donc pour pallier à ce manque. Je donne ici quelques exemples de nos activités au cours des deux dernières années. Donc, à gauche de l'écran, c'est l'affiche d'un événement qui a eu lieu en Espagne. Nous avons été un groupe pour présenter les Arabes du Canada à Casa Arabe à Madrid. Surtout des artistes, des photographes. On a parlé de cinéma, de littérature et de art visuel. L'autre affiche qui se trouve à droite est l'affiche d'un événement que nous avons organisé à l'Université York sur les différences entre secularism and madaniya, mais du point de vue des Arabes canadiens. Donc, quelle est la perspective des Arabes canadiens sur the Arab Spring? Toujours en milieu académique, et voilà un troisième exemple, je revendique la reconnaissance du multilinguisme dans le cadre des politiques du bilinguisme officiel au Canada. La société canadienne est de plus en plus bilingue, pas nécessairement dans les deux langues officielles. Cette réalité linguistique et sociale est celle, par exemple, des Canadiens et des Canadiennes qui parlent une des deux langues officielles, en plus d'une langue maternelle qui n'est ni l'anglais ni le français. C'est le cas de plusieurs communautés latino-américaines, hispanophones ou lusophones, arabes, asiatiques et autres. Cette réalité concerne également les Canadiens et Canadiennes multilingues, comme par exemple nos étudiants au département de langue et littérature moderne, mais aussi les hommes d'affaires, les universitaires, les travailleurs des organismes à but non lucratif, les écrivains, les artistes d'origine diverse, les diplomates, etc. La richesse linguistique des Canadiens devrait être mieux exploitée au niveau économique et diplomatique, promu au sein des institutions culturelles, défendu contre la négation et l'indifférence des politiques du bilinguisme. La tradition laïque et les principes politiques de la société civile et du sécularisme élargi nourrissent en effet ma revendication d'un bilinguisme ouvert, rappelant cependant que ce bilinguisme multilingue, si on peut utiliser l'expression, se situe non pas à l'échelle des droits constitutionnels, ceci dépasserait complètement mes compétences actuelles d'analyse, mais celles des pratiques culturelles, académiques et institutionnelles. Pour conclure donc sur cette première partie sur qui est ce citoyen nomade et quels sont les champs d'action que je perçois comme mes champs d'action en tant que citoyenne nomade, je dirais que dans toutes ces situations et dans bien d'autres, une communauté nomade se forme et se rallie. Elle est réceptive des réalités pratiques, s'engage dans la lutte contre les pouvoirs dominants et contribue au développement d'une pensée transformationnelle qui est un acte, une agentivité. Ces idées et actions, aussi minoritaires qu'elles puissent paraître, s'insèrent sur une onde préexistante.
on vient de quelque part, pour utiliser le mot de Mona Latif Gattas. Le mouvement nomade est insertion sur cette onde et non un mouvement contre-courant. Une onde qui se lève déjà au large de l'océan monde, loin du littoral nationaliste. C'est une manière de mise en orbite. Et les intercesseurs, selon Gilles Deleuze, sont les praticiens de ce mouvement, les relayeurs du désert, les surfeurs de l'océan, les nomades qui arrivent entre deux mouvements et continuent à se déterritorialiser. À l'horizon se dessine pour les uns un idéal de bonheur, pour les autres un gain politique ou une triomphe institutionnelle. Peu importe, le territoire du nomade est vaste et jonché de points de relais. J'arrive à mon deuxième point qui est beaucoup plus concis. Le nomadisme est-il une réalité sociale, une philosophie politique ou une métaphore de l'ère postmoderne? Je vais répondre tout ceci à la fois et donc je vous épargne les détails. Mais l'essentiel, c'est de cerner les caractéristiques de la pensée nomade en tant que réalité transnationale, le fait qu'on est de plus en plus nombreux à détenir plusieurs passeports, une philosophie de vie et une métaphore de l'utopisme postmoderne. Les caractéristiques de la pensée nomade sont, à mon avis, les suivantes. La pensée nomade est une résistance à la fermeture idéologique et à la violence doctrinaire. Tout ça, plus ou moins, est inspiré de la nomadologie de Gilles Deleuze et Félix Guattari. Donc, l'idée, c'est d'opposer à l'intériorité de la pensée rationnelle de l'État l'extériorité de la pensée libre du nomade. Gilles Deleuze utilise une métaphore extraordinaire quand il explique les différentes pratiques de la pensée. Une pratique qui se veut comme un jeu d'échecs, avec des règles bien définies, et l'autre pratique qui se veut comme le jeu de Go, donc on peut jouer pendant 6 mois sans aucun problème, et qui est au cours duquel les règles du jeu sont en train de se faire et de se refaire chaque fois que le pion bouge sur l'échiquier. Le citoyen nomade se dresse du même geste, s'il le faut et quand il le faut, contre son propre groupe. Matt avait mentionné l'idée d'affiliation selon Edward Said, et donc c'est un peu cette inspiration-là qui me vient à l'esprit. Contre le groupe, c'est-à-dire le groupe des intellectuels publics que Julien Benda dénonçait déjà dans La trahison des clercs en 1927, c'est le fait de refuser l'affiliation tribale et disciplinaire, d'essayer de déconstruire et constamment mettre en question cette affiliation-là. Il ne faut pas oublier que je viens quand même de cette discipline de la littérature comparée qui est de moins en moins bien perçue au sein du Canada, mais je n'y peux rien. Le danger réel qui guette ce citoyen nomade serait de perdre sa marge de manœuvre au sein du territoire, et c'est alors qu'il doit se déterritorialiser à la recherche d'un nouveau relais. Donc, des fois, on perd l'appui de nos collègues à cause de telle ou telle pensée. C'est fâcheux, mais c'est comme ça. Le mouvement nomade est cependant territorial et localisé. Le nomade, écrivent Gilles Deleuze et Félix Guattari, a un territoire. Il suit des trajets coutumiers. Il va d'un point à un autre. Il n'ignore pas les points, comme les points d'eau, d'habitation, d'assemblée. Le point d'eau n'est que pour être quitté et tout point est un relais et n'existe que comme relais. Un trajet est toujours entre deux points, mais l'entre-deux a pris toute la consistance et jouit d'une autonomie comme d'une direction propre. La vie du nomade est intermezzo. Même les éléments de son habitat sont conçus en fonction du trajet qui ne cesse de les mobiliser. Fin de citation. Au-delà de cette définition à la fois réaliste et poétique de Gilles Deleuze, comment ce mouvement nomade est-il généralisé dans le monde et quelles sont les conditions de réalisation de ce mouvement? De toute évidence, l'ère postcoloniale est marquée par des mouvements d'immigration, de déplacement, de relocalisation sans précédent. Et ces mouvements ont inauguré ce qui fut tour à tour taxé de multiculturalisme, de relations interculturelles, diversité culturelle, transnationalisme, etc. En attendant,
de nouveaux concepts. Mais au-delà des mouvements physiques des individus et des formations plus ou moins organisées des communautés diasporiques, la transformation fondamentale que l'on peut remarquer ici est liée aux valeurs de mobilité et de transfert culturel. Transport et technologies modernes facilitent l'insertion de l'individu sur l'onde des mouvements transnationaux. Deleuze et Guattari comparent le nomade et le migrant ainsi. Alors que le migrant quitte un milieu devenu amorphe ou ingrat, le nomade est celui qui ne part pas, ne veut pas partir, s'accroche à cet espace lisse où la forêt recule, où la steppe ou le désert croissent et invente le nomadisme comme réponse à ce défi. Ils ajoutent plus loin que le migrant sédentaire a un rapport de reterritorialisation avec la terre, jumelé à des formes d'appropriation et de contrôle, alors que le nomade se définit par le mouvement continu dans un territoire lisse qu'il ne cherche pas à posséder, puisque c'est la déterritorialisation qui constitue le rapport du nomade à la terre. Le devenir nomade des citoyens est donc conditionné par un médium, et c'est ce que nous voyons de plus en plus. J'ai parlé des technologies modernes et des moyens de transport avant les technologies modernes, mais le fait est que ces éléments-là sont devenus nos nouveaux points de relais pour les nomades. Ce sont des points de relais aussi qui vont faciliter pour quelqu'un comme moi l'accès à un certain nombre d'informations, mais aussi la mobilisation publique. Tout en étant au Canada, comment mobiliser des groupes en Égypte si on veut parler de laïcité et droits civiques en Égypte. Sans cette technologie, ça aurait été presque impossible. Déterminé par l'intériorité de l'État, l'Internet n'en demeure pas moins le firmament de la pensée extérieure, libérée sporadiquement de l'hégémonie étatique projetée de façon intermittente dans l'infini. L'Internet est en fait un Éden peuplé de solitaires connectés, unis dans la séparation. Les grandes vérités sont exposées et démenties en ligne. Facebook n'en est que l'exemple fastidieux des pensées et des contre-pensées émises instantanément dans l'immédiat de l'action par des millions de têtes penchées sur des millions d'écrans. Cette conscience nomade est très intéressante. À mon avis, c'est là que je devrais peut-être développer un peu plus, aller un peu plus loin dans mon idée sur le médium lui-même, les outils, etc. Ce n'est pas pour rappeler les émotions d'une diasporique d'être ici et ailleurs en même temps, simultanément. La différence avec les pratiques nomades et les pratiques diasporiques de l'ubiquité imaginaire réside aussi bien dans l'intensité et la vélocité du mouvement que dans cette nouvelle simultanéité réaliste, concrète, déstabilisante. Il faudra peut-être noter que les réseaux créés grâce aux nouvelles technologies ne sont pas nécessairement à la base de nouvelles formations sociales, mais plutôt de nouvelles appartenances identitaires et de nouveaux groupes médiatisés par les nouvelles technologies participent à la consolidation de formes sociales déjà existantes. Les hiérarchies sont déjà là, les différences de classe et de richesse sont déjà là, sauf que Internet aide à déconstruire ce qui existe déjà pour proposer d'autres formes de regroupement, d'autres formes de solidarité. Et là, j'arrive à mon dernier point. L'éthique de la condition nomade est-elle nécessaire aujourd'hui? Tout ce que j'ai dit, j'espère vous convaincre, illustre cette nécessité. Les êtres humains ne forment pas un peuple commun et l'on ne peut pas prétendre aujourd'hui que les humains, quelle que soit leur origine et leur mode de vie, place les intérêts humains et humanistes au-dessus des intérêts nationaux. C'est tout à fait le contraire qui arrive aujourd'hui. Ce sont les intérêts nationaux et corporatifs qui dictent les valeurs et les modes de vie du vivre ensemble dans notre monde globalisé, à tel point que le principe même de justice se trouve souvent bafoué par l'état juridique de droit. Comment peut-on résister à cette situation de crise éthique? Telle est la question, telle est l'urgence, et je pense que le Canada, juste en ouvrant le débat, peut jouer un rôle pionnier. Une éthique de la condition nomade ne cherche pas à colmater la brèche entre les nations de la Terre en créant des institutions mondialistes ou encore moins altermondialistes dans le bon vieux temps, radicalement concernées par les droits égaux, parce que tel n'est pas l'horizon d'attente
de l'éthique nomade. Une éthique de la condition nomade cherche plutôt à réfléchir sur les transformations marquantes de nos modes de vie et de notre bien-être social à l'échelle humaine et globale. Au cœur de cette éthique se trouvent les principes sur lesquels j'aimerais conclure. Premièrement, le principe du mouvement. Le mouvement, non pas menaçant ou violent au sens de la loi et des rapports de pouvoir, mais plutôt le mouvement explorateur, ouvert, tolérant, transculturel, transnational. On peut ajouter lisse pour utiliser un adjectif très cher à Gilles Deleuze et Félix Guattari. Le résultat de ce mouvement est le dépassement des contraintes des frontières nationales et de la territorialité comme principe identitaire fermé. Cette prison territoriale de l'identité à laquelle réfère Ulrich Beck. Cette prison-là demeure incontestablement réelle en dépit des manifestations transnationales et des traversées migrantes et diasporiques. Deuxième principe, le désir d'une justice humaine sans frontières qui fonde et garantit le bonheur des citoyens. Je rappelle ici que l'idée de Jean-Jacques Rousseau selon lequel l'être humain cherche le bonheur alors que le citoyen cherche la justice devrait être revisitée. La justice pour tous marquerait le dépassement de la logique de l'empire européen et américain qui sévit tantôt sous la forme de valeurs américaines universalistes, dont les valeurs malheureusement militaristes, et tantôt sous le couvert du néo-cosmopolitisme européen. Me vient à l'esprit un grand penseur arabe musulman, Al-Farabi, qui, au 9e, 10e siècle, avait essayé de définir le bonheur comme étant une réalité qui se trouve à l'horizon, que l'être humain qui vit ici et maintenant ne peut pas accéder au bonheur à moins de savoir et d'être sûr que l'être humain qui est à l'autre bout de l'horizon est aussi heureux. Gilles Deleuze, lorsqu'il essaye de définir la gauche, qu'il appelle la gauche du cœur, il parle aussi d'une affaire de perception. Un homme de gauche sans être partisan d'un parti ou quoi que ce soit serait cette personne-là qui va non pas commencer de moi, ma rue, ma ville, ma nation, mais qui va commencer par le monde, mon pays, ma ville, ma rue, moi. Donc c'est une affaire de perception et on a tous des perceptions différentes de ce que devrait être le monde. Maintenant, le monde ne sera pas le monde de bonheur que nous espérons avoir si on continue d'être nombriliste, tout simplement. C'est quelque chose qu'il faut amener sur la table, quelque chose auquel il faudra réfléchir sérieusement. La déconstruction de concepts ambigus et fallacieux comme citoyens du monde, parce que ça fait plaisir à plein. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça couvre des relations de pouvoir et des injustices. Ces concepts-là ignorent des pouvoirs hégémoniques du mondialisme, par exemple, la férocité de la nouvelle classe capitaliste, corporative et supranationale, les expressions de résistance culturelle qui se sont développées partout dans le monde pour faire face à ces menaces, sont la plupart du temps perçues comme mineures and therefore not that interesting for us. On va faire des listes pour essayer de les éviter au maximum. D'où la nécessité d'un nouveau concept qui rend compte de la réalité contemporaine, c'est-à-dire la réalité selon laquelle les gens commencent à penser comme des nomades. Quatrième principe, la reconnaissance de la différence subjective ou d'une identité subjective indissociable de l'identité collective et individuelle. Je fais référence ici au triangle identitaire du sociologue Michel Viviorca dans son livre très important sur la différence, publié en 2001. Et là, il parle de l'impossibilité d'aller au-delà de ce triangle. Chaque fois qu'on parle de l'identité, on est plus porté à penser identité collective et nationale ou identité individuelle, notre rôle social. Je suis professeur, je suis mère, je suis ceci et cela. Mais on oublie que le matin, lorsqu'on se réveille, ce que l'on voit dans un miroir, c'est cette identité subjective. Et des fois, on se rend même pas compte qui on est. Les deux identités individuelles et collectives ne peuvent pas exister sans avoir cette conscience-là. La conscience d'être un sujet et d'avoir
la possibilité d'agir sur le monde, tout en étant au Canada et mobiliser des groupes de gens en Égypte à travers Internet ou autres médiums. Être au plus profond de soi-même, qui on est, c'est un peu la définition de cette identité subjective-là. Donc là, vous entendez parler peut-être la romancière qui rêve trop. Tel est le droit naturel du nomade moderne, droit immanent et puissant qui se hisse contre la transcendance religieuse et les théologies laïques, contre les tentatives inlassables de légitimation des métarécits et qui défend le droit à la subjectivité et à l'action micro-politique des individus. Je conclurai ce plaidoyer pour le droit de la citoyenneté nomade par une citation de Deleuze qui se trouve à l'origine de ma pensée éthique et politique. Deleuze écrit dans Critique et Clinique, il appartient à la fonction fabulatrice d'inventer un peuple. C'est ce que j'essaye de faire avec beaucoup, beaucoup de modestie face à un grand maître comme Gilles Deleuze et avec son traité de nomadologie qu'il a écrit avec Félix Guattari dans les années 80. Il appartient à la fonction fabulatrice d'inventer un peuple. Je ne suis pas en train de me présenter comme une personne nécessairement fabulatrice. Mais on n'écrit pas avec ses souvenirs à moins d'en faire l'origine ou la destination collective d'un peuple. Je mettrai entre guillemets un peuple de nomades à travers la terre. D'un peuple à venir encore enfoui sous ses trahisons et ses reniements. Et la suite de cette citation, précisément, ce n'est pas un peuple appelé à dominer le monde, c'est un peuple mineur, éternellement mineur, pris dans un devenir révolutionnaire. Ce peuple vit parmi nous, en Égypte et au Canada, partout où sévissent les injustices sociales, les discriminations, partout où nous réfléchissons sur nos responsabilités de citoyens, partout où l'on espère encore transformer sa société ou son monde. Et c'est à nous de reconnaître l'action de ce peuple mineur, de célébrer son optimisme, sa détermination et sa soif de justice planétaire. Merci à vous tous.